André Boudou ne porte pas les anciennes compagnes de Johnny Hallyday dans son cœur. Dans l'ouvrage Laetitia, la vraie histoire, le père de Laetitia s'est payé Nathalie Baye et Sylvie Vartan d'une phrase assassine. Aujourd'hui, Laura Smet et David Hallyday semblent plus soudés que jamais. Point depuis ce moment malheureux où ils ont appris qu'ils avaient été déshérités par leur père, les deux aînés de Johnny Hallyday se serrent les coudes. C'est ensemble qu'ils ont attaqué Laetitia Hallyday en justice pour faire invalider le testament du taulier. Et c'est Laura que David a choisi pour réaliser le clip de Ma dernière lettre, la chanson hommage à son père. Le chanteur n'imaginait personne d'autre pour mettre en image ses derniers mots à Johnny, seule sa sœur pouvant comprendre ce qu'il avait sur le cœur. Entre Laura Smet et David Hallyday, il existe un lien fraternel très fort. Point, mais cela n'a pas toujours été le cas. Dans son livre Enquête Laetitia, la vraie histoire, Laurence Pio raconte une relation qui a longtemps été inexistante. À l'époque, Laura fait figure d'une quasi-inconnue pour David. Il l'a découverte bébé allaitant la ville, lorsqu'il rendait visite à Johnny et Nathalie Baye. Après la séparation d'avec Nathalie Baye, David a perdu sa sœur de vue. La faute à Nathalie Baye et Sylvie Vartan. Point, si c'est désormais l'union sacrée entre les deux femmes, leurs débuts ont été plus compliqués, leurs mères n'entretiennent aucun lien d'amitié. Avant la confiance, il y aurait même eu la méfiance. Point, dans son ouvrage, la rédactrice en chef de Closer donne la parole à André Boudou, qui tacle les deux anciennes compagnes de Johnny Hallyday. À l'époque, Nathalie Baye était un peu la Laetitia de Sylvie. Le flingueur du clan Boudou a encore frappé. Point, depuis la mort de Johnny, le père de Laetitia ne rate pas une occasion de critiquer la famille du taulier. Sa cible préférée étant Sylvie Vartan, qu'il a violemment accusé d'être à l'origine de la guerre qui déchire le clan Hallyday. Mais cette fois, André Boudou se fait le luxe de régler ses comptes avec Sylvie Vartan et Nathalie Baye en même temps.